Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Laurie Coad, j'ai 20 ans, je suis photographe amatrice et je vous propose une exposition à la distillerie Dillon. C'est ma deuxième exposition, la première c'était à l'Atrium suite au concours Le Lumina que j'avais gagné en 2012 et je pense que c'est l'aboutissement de pas mal de travail, d'expérience et aussi grâce à des contacts que j'ai pu atterrir ici pour pouvoir faire cette exposition. Moi, je trouve que ça travaille très bien. En tout cas, c'est très coloré. C'est à son image, quoi. C'est une fille qui est libre. C'est recherché. C'est pas comme tout le monde, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ressortent aussi bien du haut que de la partie subaquatique. Enfin, ça donne une présence à la photo. Parmi les 12 photos que j'expose dans mon exposition, je pense que c'est une des meilleures photos. C'est celle qui a suscité le plus de commentaires. La particularité, contrairement aux autres photos où c'est vraiment une immersion totale dans l'eau, c'est que celle-là, elle est mi-eau, mi-terre. Et je pense que c'est quelque chose qui plaît énormément d'ailleurs aux gens. Et le fait que la fille soit de dos, qu'il y ait cet univers un petit peu chaleureux, chaud, les couleurs chaudes, le rouge, le vert, et qu'en même temps, il y ait cette eau-là qui donne un peu de fraîcheur, je pense que c'est ce qui intéresse et ce qui intrigue les gens. Encore une fois, je pense que c'est une de mes meilleures réussites pour le moment des photos sous l'eau. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine exposition et en attendant, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur ma page Laurie C Photographie et je vous invite à venir voir mon exposition qui est visible tout le mois d'août. Merci encore à tous.